Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Universia. Ravi de vous retrouver les amis, la famille Senseiya, pour une nouvelle review et surtout pour une nouvelle formule qui s'appelle Review Rapido. Review Rapido qui est en fait un concentré d'une review. Le tout va être vraiment compressé dans un format vraiment très très court. Cette nouvelle formule qui va concerner donc Saori Kido, la réincarnation d'Athéna dans son armure divine version animée. Je remercie particulièrement Thibaut pour cette superbe acquisition. Bah écoutez, on se retrouve de suite après la boîte. Une belle boîte que nous avait sortie Bandai pour cette Athéna armure divine dans sa version animée en décembre 2013. À l'arrière, nous pouvons voir une représentation d'Athéna en mode attaque, les ailes ouvertes, ainsi que les trois visages qui sont fournis dans la boîte, et puis une jolie représentation du totem de cette Athéna. Une figurine belle, rare et recherchée, où il faudra débourser entre 140 et 210 euros dans du neuf ou de l'occasion pour l'avoir dans notre collection. Cette boîte donc est une version classique où l'on peut voir les deux volets qui s'ouvrent et laisser apparaître les blisters. Les blisters justement, ils sont au nombre de 4 dans le contenu de cette superbe Athéna armure divine version animée. Alors ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a énormément de pièces plastiques, beaucoup de petites pièces également. Des pièces où il faut vraiment faire très très attention au niveau des manipulations et qui bien sûr se salient au toucher. Des pièces qui sont vraiment très très belles, comme vous pouvez voir le bouclier ainsi que les ailes sont vraiment des pièces d'exception. Mais attention à voir au niveau du montage pour l'équilibre du personnage ou du totem si tout se passe bien. Alors très surpris par le montage de ce totem qui est vraiment magnifique. Je m'attendais à galérer un peu plus pour le montage, mais finalement tout s'est bien monté et assez facilement, pas de soucis particuliers pour le montage de ce totem. Lorsqu'on le regarde de plus près, on peut vraiment admirer les différents détails et le travail qui a été effectué sur les jupes ainsi que sur le plastron pectoral de la figurine qui sont vraiment incroyables. Ce totem est décidément un vrai bonbon, un vrai régal pour les yeux. Saori Kido qui est prête à endosser son armure divine, donc là elle cache ses formes, mais je peux vous dire qu'au bout d'un petit moment elle s'est lâchée et on s'est fait une petite séance photoshoot, mais chut, allez c'est parti pour la mettre en armure. Pour le montage de cette figurine, rigidité très très bonne, pas de soucis au niveau des différentes articulations qui tiennent vraiment bien, donc bonne rigidité du corps et bien sûr un point vraiment principal, enlever la paire de seins qui était livrée avec la figurine et changez-la et mettez la plus petite afin de pouvoir mettre l'armure et de ne pas avoir de soucis particuliers lors du montage de l'armure. Laissez-vous guider par les différentes étapes à suivre dans l'ordre pour le montage de la figurine et également les petites astuces qui apparaîtront. Thank you.
Les amis, c'est vraiment une figurine de ouf. Ça a été vraiment un régal à la montée. Donc j'ai pris mon temps, bien sûr, il faut prendre son temps pour la monter puisque il faut vraiment ajuster les petites ailettes ainsi que les pentes de la jupe. Mais une fois qu'on arrive à faire la pose que l'on souhaite, elle est vraiment incroyable. On est un petit peu limité, je ne vous le cache pas, au niveau des jambes pour faire de jolies poses parce que sinon il faut vraiment ouvrir tous les pans de la jupe ainsi que les petites ailettes pour faire quelque chose de très très beau. Donc on est un petit peu limité de ce côté-là. La tête également qui ne tourne pas, le torse aussi. Donc pas beaucoup de place pour faire de très jolies poses avec celle-ci, mais je me suis un petit peu inspiré dans le style de The CNS qui avait fait une jolie pose où celle-ci avait la jambe qui sortait un tout petit peu. Donc là je l'ai fait avec le sceptre en mode un petit peu pole dance, on va dire, donc la jambe qui croise sur le sceptre. Je trouvais ça vachement sympa. Donc là voici dans sa pose, on va dire, un petit peu sexy quand même. C'est vraiment une déesque malgré tout. Donc dans les points négatifs, comme je vous disais, les mouvements de tête qui sont vraiment impossibles, les mouvements de torse qui sont également impossibles, donc la configuration qui limite bien sûr les poses, trop de pièces plastiques, la teinte de l'armure qui est un petit peu trop argentée, les pans de jupe qui sont à chaque fois ajustés à chaque manipulation, et bien sûr le prix de cette figurine. Alors une deuxième pose un peu plus attaque, on va dire, avec en fond derrière Hadès. Donc je me suis pareil encore amusé à jouer avec les ailettes ainsi que les pans de la figurine. Je trouve ça beaucoup plus joué et d'avoir ce style de mouvement avec les petites ailettes ou la jupe qui s'écarte un tout petit peu plutôt que l'avoir refermée, histoire d'avoir un petit peu de mouvement. Donc alors petit truc ou astuce, si les ailettes ont tendance à retomber, donc là on le voit pas parce que c'est un petit peu caché, j'ai mis un tout petit morceau de sopalin que j'ai fait en boule et que j'ai camouflé entre le pan de la jupe en plastique ainsi que le support des ailettes, histoire de relever le tout. Et une autre petite astuce qu'on ne verra pas, ou pour certains s'ils ont l'œil, vu qu'on ne peut pas faire de mouvement au niveau de la tête ainsi que du torse, la partie de l'épaulette avait tendance à sauter. Donc c'est pour ça qu'en fait je l'ai camouflée, j'ai réussi à la disposer afin qu'on ne se rende pas trop compte qu'elle n'était pas forcément clipsée. Donc maintenant que je vous l'ai dit, vous allez peut-être le remarquer, mais c'est un petit truc et astuce. Lorsqu'on veut faire certaines poses, on peut arriver à camoufler certaines petites choses sans qu'on puisse les voir. Dans les points positifs, bien sûr, la fidèle reproduction de l'armure d'Athéna qui est vraiment incroyable, l'équilibre de la figurine qui est vraiment tip top, le rendu qui est vraiment magnifique, et puis bien sûr ce deuxième sceptre, ce deuxième Nikkei qui est fourni, donc pour avoir la version manga ou la version animée. Le tout est vraiment très très beau pour cette figurine. Je lui donne la note d'un 8 sur 10 parce que c'est vraiment une pure merveille. Visuellement, c'est le top. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment incroyable. Donc voici ma collection concernant Saori Kido. Donc les deux versions que vous avez en dessous, donc ce sont les versions King Model qui étaient fournies donc dans un pack avec également les Pandora Box des bronzes. Donc j'ai une version, la version qui est avec le sceptre, dont il me manque quelques ornements au niveau de la brassière ainsi que la chevelure, le petit danem. Donc j'espère retrouver ces deux petites pièces qui me manquent afin de la compléter et qu'elle soit vraiment complète. Au-dessus, bien sûr, Saori dans son armure divine, donc le tout en version animée qui complétera vraiment le tout sur ses Saori Kido. Vraiment magnifique. Une figurine vraiment de toute beauté, comme dirait Julien. Donc je ne regrette pas mon achat, même si ce n'est pas une version EX et je collectionne les versions EX. Celle-ci en mid-close classique, je pense qu'elle ne fera pas tâche avec les différentes versions que j'ai sur l'arc Hadès. Je vous laisse en compagnie de quelques photos et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne Universia. N'oubliez pas de vous abonner ainsi que de mettre un petit like et un petit commentaire. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.